Abuna bie barame, abuna bie, mbura bie, miendiobo, maoko. Rebonjour mon monde, c'est toujours moi, c'est toujours votre reine, votre mère, votre sœur, la seule et l'unique. Je continue toujours mon devoir. Comment dire ça déjà? Eh oui, mon devoir de vous apporter les enseignements de nos ancêtres. Magnifique. À travers les contes, je viens de vous conter l'histoire d'un enfant qui voulait se croire plus intelligent que son père. Et dans la morale, je disais, aussi longues que puissent être les oreilles, elles ne dépasseront jamais la tête. Je viens de faire encore le conte sur le baobab qui voulait se faire aussi haut que le ciel. Et là encore, comme morale, on a dit « la terre-mère reste la terre-mère ». Rien ne peut dépasser la terre. La terre, c'est la matrice, comme son nom l'indique. Et oui. Et là, nous continuons. Nous allons continuer avec le titre de ce conte, ça sera « Les champignons de maman ». Mais au fait, personnellement, j'ai tout en train de réfléchir. Est-ce que le titre en mettrait « Les champignons de maman » ou alors, plutôt, « La colère est une étrangère ». C'est mieux pour aboutir à la morale de notre conte. Lissapo Ongé, Ongé.
Histoire à Nord, Congo, Brazza. Alors là, je vais donc me mettre à vous raconter cette histoire, ce conte de ce conte de la colère d'une mère. Bon, je me déplace parce que on est à Brazzaville, hein, il y a le soleil qui fait ses rayons et quelque part après, on voit pas l'image. Il était une fois une mère. Et oui, avec sa fille. C'était le temps de ramassage des champignons. Et vous savez vous-même, pour ceux qui sont en Afrique, plus en général et plus particulièrement au Congo-Brazzaville, il y a des périodes de champignons. Les champignons, on ne les trouve pas tous les jours. Donc la période de ramassage des champignons était arrivée. Et la maman parle à sa fille. « Chère fille, peux-tu m'accompagner? On va aller ramasser les champignons. » Et la fille décline l'offre et dit, « Maman, j'ai beaucoup de choses à faire ce matin. Vraiment, je ne pourrai pas t'accompagner. Excuse-moi, je ne peux pas, j'ai autre chose à faire. » Et là, la maman, parce qu'il faut se réveiller tôt le matin, la maman s'en va ramasser les champignons avec les autres groupes des femmes, effectivement, le matin dans la savane. Et la fille, effectivement, s'occupe d'autre chose. La maman revient le soir avec les champignons qu'elle a ramassés. Elle revient encore vers sa fille en disant, « Chère fille, tu vois bien, je suis fatiguée. On est allé ramasser les champignons toute la journée, je me sens fatiguée. Peux-tu me cuire ces champignons ?» Et la fille dit, « Avec plaisir, maman, pas de problème. » Et il faut bien les laver parce qu'il y a la terre, etc. La fille dit, « Tu peux compter sur moi, maman. » Et là, la fille se met à nettoyer les champignons. Elle nettoie très bien, avec patience, et ma foi, elle met, après avoir fini, elle prend les champignons, met dans la casserole, et met la casserole au feu, et les champignons sont en train de cuire. Une fois les champignons cuits, la fille appelle sa maman. « Maman, tu peux venir? J'ai fini de cuire les champignons. » Et là, la maman arrive. Qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que de la quantité des champignons qu'elle avait apportés, quand elle regarde la casserole, ça ne faisait même pas la moitié de ce qu'elle avait apporté. Et là, elle se fâche contre sa fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais ce n'est pas possible. Le matin, quand je te disais d'aller ramasser les champignons, tu n'as pas voulu venir avec moi. Et là, je vais, je ramasse les champignons, j'emmène. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges tous les champignons et tu ne me laisses que ça. Mais je ne peux pas laisser faire ça. La fille n'a pas eu le temps de s'exprimer, d'expliquer que la maman lui donne un grand coup sur la tête. Et voilà la fille qui tombe. Et oui, mais le coup était tellement fort qu'on n'a pas pu réanimer la fille. Et la fille décède. Mais là, la maman, c'était, voilà, pour elle, c'était, elle a mérité, quoi. C'est à peine si, c'est sans regret. Et là, on fait les obsèques et tout, on enterre la fille, et puis, bon, voilà. Bon, on ne dit pas qu'elle l'a fait exprès, mais bon, quelque part, pour elle, pour la maman, ben voilà, elle a mérité, quoi. C'est quoi cette fille? On lui dit d'aller chercher les champignons, elle ne vient pas, et puis, quand la maman va chercher les champignons, ben c'est elle qui en profite en premier, c'est ce qu'elle pense. Le temps passe, et le temps passe, et l'eau coule sous les ponts. La période de l'autre période de champignons arrive. Et cette fois-ci, la fille n'est plus là. C'est la maman qui part encore une fois ramasser les champignons avec les groupes de femmes au village tôt le matin. Le soir, elle revient. Cette fois-ci, c'est elle-même qui fait ses champignons. Elle les lave très bien, ses champignons. Elle met dans sa casserole, elle met au feu et puis elle attend que les champignons cuisent. À un moment donné, effectivement, elle vient voir les champignons. Qu'est-ce qu'elle constate? Les champignons avaient diminué de volume. Quoi? Et là, elle se souvient comment sa fille avait cuit les champignons et comment est-ce qu'elle avait malmené sa fille parce qu'elle croyait que c'était sa fille qui avait tout consommé. Et là, elle vient de vivre elle-même la situation. Les champignons ont baissé de volume.
Ce n'est pas parce qu'elle les a consommés, mais c'est comme ça que sont les champignons. Les champignons, tu peux avoir une grosse cuvette, mais quand tu les fais cuire, ça diminue de volume. Et là, la maman s'est rendue compte qu'elle a commis une erreur gravissime. Elle a poussé un cri, elle a poussé un cri. Elle a poussé un cri tellement fort que ce cri l'a emporté elle-même. Eh oui, parce que là, la maman s'est rendue compte qu'effectivement, elle avait non seulement accusé sa fille à tort, mais qu'elle avait réagi dans la colère sans réfléchir. Dans la colère, on ne prend jamais de bonnes décisions. Mon monde, voici ce conte. Ce conte, comme je l'ai dit, je l'ai fait comme un petit résumé. Mais ce conte en dit long. Oui. Si la maman avait pris le temps de discuter avec la fille, elle aurait compris que c'était les champignons qui avaient diminué de volume, que ce n'était pas la fille qui les avait consommés. Elle vient de s'en rendre compte des années plus tard. C'est trop tard, la fille est déjà partie. Parce que avec le coup fatal qu'elle a sommé, la fille n'était plus là pour pouvoir discuter avec elle. Mon monde à moi, j'espère que de ce conte, vous allez tirer cette leçon. Je vous le dis tout le temps, on ne prend pas les décisions dans la colère. Pour Unjia, la colère est une étrangère. La colère vient et passe. Mais quand la colère passe, elle passe après avoir fait beaucoup de dégâts. Et là, ce sont des dégâts irréparables. Voici mon monde encore une fois. J'espère que ce conte va vous apporter non seulement des leçons, non seulement la morale, mais va vous apporter cette quiétude. Comment vivre avec les autres en harmonie? Dans la quiétude, dans l'interrogation toujours, ne jamais prendre des décisions dans la colère. Merci à vous de m'avoir écouté. Je reste toujours à votre écoute. Qui sait tout ne sait rien. J'espère que le peu que je vous apporte vous sera très utile. Partagez. Nous sommes toujours ensemble. C'est l'union qui fait la force. Et ma force, c'est vous. Et votre force, c'est moi. Je suis riche de vous et vous êtes riche de moi. On est ensemble. J'attends toujours vos commentaires. Toujours dans l'amour, la fraternité et le vivre ensemble. Et comme je le dis et je le répète, un pour tous, tous pour le vivre ensemble. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Mouah!